Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons encore au nom de Jésus-Christ ce matin ou l'après-midi partout où vous nous suivez. We bless you again this morning or the afternoon, depending on your time zone. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Je bénis nos bien-aimés qui sont en Afrique, qui sont en train de nous suivre malgré toutes les crises. I bless the Lord for our beloved people who are in Africa who are watching us despite all the crisis going on over there. Je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont en Europe et partout où vous nous suivez. I bless the Lord for our beloved who are in Europe, wherever you are streaming. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont en Asie et en Océanie. May the Lord bless our beloved one in Asia and Oceania. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Be blessed in the mighty name of Jesus Christ. Nous bénissons l'Amérique du Sud, centrale et du Nord. We bless Central, South and North America. Que Dieu bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Que Dieu bénisse le Canada. May the Lord bless Canada. Partout où vous suivez, soyez bénis au nom de Jésus. Wherever you are streaming, may God bless you. Que Dieu bénisse le 50 États des États-Unis. May the Lord bless the 50 states of USA. Soyez bénis partout où vous nous suivez en ce moment. Be blessed wherever you are tuning in. Et tous ceux qui vont nous suivre par après. May those going to watch afterward be blessed as well. Que Dieu bénisse notre quartier général New York. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. May the Lord bless our headquarters here in New York. Be blessed in the mighty name of Jesus Christ. Que Dieu bénisse les évangélistes de Jésus-Christ. Tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à cette œuvre, que Dieu vous bénisse abondamment. May the Lord bless the evangelists of Christ and those who support this ministry, one way or another. Be abundantly blessed. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Je bénis ma très chère épouse et toute ma maison au nom puissant de Jésus. I bless my dear wife and our home in the mighty name of Jesus Christ. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, beloved in the Lord, nous voulons commencer la prière. We want to begin our prayer. Au nom puissant de Jésus, in the mighty name of Père, Jesus. Je salue ta présence pour cette journée merveilleuse. Father, I bless your presence for this wonderful day. Tu mérites d'être adoré. You deserve to be worshipped. Dieu qui nous a protégés et nous a gardés. You are the God that watched over us and protected us. Certains d'entre nous qui faisaient des programmes pour ce jour ne sont plus. Many of those who made plans for today are no longer. Qu'est-ce que nous avons payé pour mériter ta grâce ce matin? Father God, what have we done to deserve your grace this morning? Nous bénissons ton nom pour ta grâce. We bless your name for your grace. Nous te bénissons pour la faveur. We bless you for your favor. D'être compté parmi les vivants de ces jours. To be counted among the living of this day. Nous saluons ta présence à ce moment. We salute your presence at this moment. Toi l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. You are the alpha and the omega, the first and the last. Nous te bénissons pour, Seigneur, nous avoir donné le privilège de commencer la journée avec toi. We bless you because you have given us the opportunity to begin the day with you. Toi, la source de toute vie. You are the source of all life. Toi, la solution à tout problème. You are the solution to all problems. Nous te bénissons, Seigneur. Father, we bless you. Et nous nous prosternons devant ta majesté. And we bow down before your majesty. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Thank you, Lord, my God. Pour ce moment merveilleux que nous allons passer avec toi. For this wonderful moment that we're going to spend with you. Nous prenons maintenant autorité par le pouvoir que tu nous as conféré. Now we take authority by the power you have given us. De chasser tous les esprits. To cast out all evil powers. Qui viendraient contrecarrer l'action du Saint-Esprit dans cette prière. That may come to counter the action of the Holy Spirit during this prayer. Nous brisons toutes les puissances et des sommets continuels pour nos bien-aimés de l'Amérique. Et cela au nom puissant de Jésus. We override every power that may try to keep us sleepy for those who are here in America in the mighty name of Jesus Tout Christ. Tout envoûtement, Seigneur éternel, mon Dieu, soit détruit et cela au nom puissant de Jésus. We break off all kind of spell in the mighty name of Jesus Christ. Tous les esprits de découragement, de peur,
soit renversé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Any spirit of discouragement and fear be cast out, be overturned in the mighty name of Jesus Christ. L'esprit que tu nous as donné, c'est l'esprit de force qui crie Abba Père. The spirit that you have given us, it's a spirit of strength and power that says Abba Father. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Que l'esprit de force anime la vie de tout et chacun. Let us be animated by the spirit of strength. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Merci Seigneur éternel. Thank you everlasting Lord. Nous saluons encore ta présence ce matin. Once again we greet you, Holy Spirit. Le roi de rois. You are the King of Kings. Le Seigneur des Seigneurs. The Lord of Lords. Les lions de la tribu de Judas. The Lion of the tribe of Levant. The Rising Sun. Nous t'adorons, nous t'acclamons pour tout ce que tu es. We worship you and clap for you for everything. Tu es le roi de rois. You are the King of Kings. Tu es le roi de rois. You are the Lord of Lords. Tu es le Seigneur des Seigneurs. You are the Lord of Lords. Nous te couronnons dans tous nos continents. We crown you from every continent. Dans tout le pays. From every nation. Où nous sommes maintenant. Where we are right now. Couronnons Jésus le roi de rois. We crown Jesus the King of Kings. Le Seigneur des Seigneurs. The Lord of Lords. Le tout puissant. The Almighty. Il mérite d'être acclamé. He deserves to be applauded. Il mérite d'être acclamé ce matin. He deserves to be applauded this morning. Alléluia. Amen. Merci Seigneur éternel. Thank you, Lord. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dans les livres d'Éphésiens chapitre 1. In the book of Ephesians. In chapter 1, verset 20 au verset 23. Ephesians chapter 1, verse 22-23. La Bible déclare Dieu et il a déployé en Christ en ressuscitant des morts en les faisant soit à sa droite dans les lieux célestes ou dans les lieux célestes. God exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand in the heavenly realms. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais également dans les siècles à venir. Far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. And God placed all things under his feet, and appointed him to be head over everything for the church. Nous voulons adorer celui qui a été souverainement élevé par le Père. We want to exalt the one that was highly exalted by the Father. Il a été élevé au-dessus de toute domination. He was exalted, he was highly exalted above all dominions. Toute autorité. All authority. Toute principauté. All principality. Non seulement dans ce siècle, mais dans les siècles à venir. Not only in this time, but in the times to come. Dieu a mis tout sous lui. God placed all things under his feet. Voilà pourquoi nous allons l'adorer. This is why we're going to worship him. Il porte un nom merveilleux. Because he carries a wonderful name. Son nom sauve. His name saves. Son nom guérit. His name heals. Nous voulons apprécier ce nom qui nous a réveillés ce matin. We want to appreciate this name that made us possible to be awake this morning. Père, je t'adore. Father, I worship you. J'élève ton nom ce matin. I exalt your name this morning. J'élève le nom de Jésus. I exalt the name of Jesus. C'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. He that died and rose up for us. C'est lui qui a versé son sang pour que nous ayons la vie. He that shed his blood so that we may have nous life. Nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te bénissons ce matin. We worship, we bless you this morning. Personne n'a accepté de mourir pour nous. No one accepted to die for us. Nous étions errants et vagabonds, chacun selon son chemin. We were restless wanderers, each one taking his own way. Mais tu nous as ramenés au Père. But you took us back to the Father. Tu as réconcilié le cœur de fils à leur Père. And you reconciled the hearts of the sons to their Father. Nous te bénissons, Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth, we bless you. Et ce matin, nous t'élèvons au-dessus des sorciers de nos familles. And this morning, we exalt you above witches and warlock of our family. Au-dessus de tous ceux qui nous ont condamnés. We exalt you above anyone that condemned au-dessus us. Au-dessus de tous
tous ceux qui nous ont, Seigneur éternel, persécutés. We exalt you above everybody that persecutes us. Nous te bénissons, Jésus. We bless you, Jesus. Tu as décidé que nous soyons vivants pour t'adorer. You decided that we should be alive to worship you. Et nous t'adorons de tout notre cœur. We worship you with all our heart. Nous te remercions de tout notre cœur. We thank you with all our heart. Pour nous avoir compté parmi les vivants. For counting us among the living. Parce que ceux qui sont dans le séjour des morts ne peuvent pas t'adorer. For those who are in the realm of the dead cannot worship you. Nous t'adorons au-dessus de nos volontés. We worship you above our will. Nous t'adorons au-dessus, Seigneur éternel, de roi, parce que tu es le roi de rois. We worship you above kings because you are the king of kings. Sois béni, Jésus. We bless Jesus. Sois glorifié, l'agneau de Dieu. We glorify the Lamb of God. Sois glorifié, les lions de la tribu de Juda. We glorify the Lamb of the tribe of Judah. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Receive the honor, the power and the glory. Au nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Merci l'homme de Galilée. Thank you, the man of Galilee. Merci l'homme de compassion et de douleur. Thank you, the man of compassion and pour la délivrance que tu as été de nous accorder tout le jour. Thank you for the deliverance you grant us every single day. Pour la puissance, Seigneur, que tu t'es manifesté au devant de nous. We thank you for the power that manifests before us. Tous les jours, nous vivons ta puissance. Every day we experience your power. La délivrance. We experience deliverance. Le miracle. We experience miracles. Les guérisons qui viennent de toi. We experience healings coming from you. Reçois toute la gloire. Receive all the glory. Reçois toute l'honneur. Receive all the honor. Reçois toute la magnificence. Receive all the magnificence. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Merci Christ. Seigneur éternel. Thank you, everlasting Father. Dieu de toute gloire. God of all glory. Nous bénissons ton nom. We bless your name. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La Bible déclare qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. The Bible says there is no righteous, not even one. Que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Because all have sinned and have fallen short of the glory. Nous lisons la parole d'Éphésiens toujours chapitre 1 verset 7. We still read the word of God in the book of Ephesians 1 verse 7. Au nom de Jésus-Christ, César. In the mighty name of Jesus Christ. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission de péché selon la richesse de sa grâce. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us. Jésus est mort pour arrêter le problème du péché dans la vie d'un homme. Jesus Christ died in order to put an end to the sin. To the sinful in the life. Il a porté nos péchés pour que nous soyons justifiés. He carried our sins so that we may be justified. Voilà pourquoi nous nous approchons du trône de grâce. This is why we come near the throne of grace. Pour demander la miséricorde. To ask the mercy of God. Pendant la nuit, il y a plusieurs activités. So many activities took place last night. Parmi nous, il y a des gens qui ont été visités dans le monde des ténèbres. Among us, some were visited by evil powers. On était dans le monde des ténèbres, on a fait sortir nos esprits sans les savoir. We were taken to the to dark realms and evil power had manipulated our spirit unknowingly. Certains ont mangé sur la table du diable alors que le Seigneur nous dit de ne pas manger sur la table du diable. Some of us ate at the table of the devil while the Lord doesn't want us to do it. Les autres ont eu le phénomène des maris et femmes suites spirituelles qui les ont suyé la nuit. Other had spirit husbands, spirit wives that defiled them last night. Nous allons venir au devant du trône de grâce. We're going to come before the throne of grace. Reconnaître et confesser nos péchés. Acknowledge and confess our sins. Confesser nos sorceleries parce que toutes ces choses-là, ce sont les choses de la sorcellerie. Confess the witchcraft spirit in us because all these things that we experienced last night in the dream are the work of witchcraft power. C'est pas parce que tu n'as pas rêvé que tu n'es pas peut-être pas été en communion avec le diable. Maybe you did not have a dream, but it may not be because you didn't have a dream that you were not in connection with the devil. Il y a des gens qui l'ennemi a enlevé la mémoire pour retenir tout ce qu'ils font dans le monde des ténèbres. Ils ne rêvent pas. Some people, the devil took away the memory of some so that they won't remember their dreams and be manipulated. Voilà pourquoi nous bien dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Il m'arrive même parfois de demander Seigneur pardonne-moi pour toute la sorcellerie que j'ai eu à faire parce que parfois je n'ai pas arrêté lui. Beloved, at times it happens that I ask the Lord to forgive me because I did not
Remember the dream I had. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Seigneur, je viens au devant du trône de grâce. Lord, I come before the throne of grace. Il est vrai que je n'ai pas rêvé aujourd'hui. It is true that I didn't have a dream today. Mais je ne sais pas là où mon esprit était pendant que j'étais dans l'état d'inconscience. Yeah, I don't know where my spirit was while I was asleep. Pardonne-moi, Seigneur éternel. Forgive me, Lord. Pour les pensées négatives, les pensées impures que j'ai pu manifester dans ma couche. Forgive all the negative unclean that I had while I was asleep. Tous les engagements, les alliances que j'ai signé consciemment, c'est inconsciemment. Forgive me for all the commitment I did knowingly and unknowingly. Peut-être mon esprit était en communion avec les sorciers. Maybe my spirit was in communion with demons. Peut-être j'ai mangé, Seigneur éternel, mon Dieu, sur la table du diable. Maybe I ate at the table with the devil. J'ai attendu la voix du diable. Maybe I listened to the voice of the devil. Et j'ai obéi à cette voix dans l'inconscience. And I obeyed that voice unconsciously. Pardonne-moi ce matin, Seigneur. Lord, forgive me this morning. Et pitié de moi, Jésus. Have mercy on me, Jesus. Quelle que soit la manipulation de la sorcellerie que j'ai fait l'objet cette nuit. Lord, forgive me for being the object of a witchcraft manipulation last night. Mon âme a été souillée, Seigneur. My soul was defiled last night. Mon esprit a été souillé, l'homme de Galilée. My spirit was defiled, the man of Galilee. Pardonne-moi. Forgive me. Pardonne ma femme, Seigneur. Forgive my wife. Quelles que soient les visitations qu'il a eues cette nuit sans le savoir. Forgive my wife for being visited by evil powers unknowingly. Pardonne ma maison entière. Lord, forgive my entire home. Pardonne au Dieu de toute gloire. Forgive God of all glory. Pardonne mes enfants spirituels. Forgive my spiritual children. Les gens découragés et abattus. Forgive those who are discouraged and cast down. Ceux qui n'ont pas la foi, n'ont plus la foi. Those who lost their faith in God. Ceux qui sont découragés et abattus. Forgive those who are worn out and discouraged. Pardonnez-les, Seigneur. Lord, forgive them. Tous ceux qui sont dans la distraction. Forgive all of them that are distracted. Parce qu'ils ont repris le travail, il n'y a plus la prière. Maybe because they went back to work and they cannot pray anymore. Alors c'est Jésus qui donne la force, Seigneur éternel, pour que nous puissions acquérir nos richesses. Well, it is Jesus that give us strength so that we may be blessed. Pardonne, Seigneur éternel. Thank you. Forgive us, Lord. Et pitié de nous. Have mercy on us. Nous approchons du trône de grâce. We come near the throne of grace. C'est toi qui est mort pour nous pour remettre nos péchés. Father, you died for us. You died for the forgiveness of our sins. À toi nous avons la rédemption par ton sang. In you we have the forgiveness of sins through your blood. La rémission de péché. The redemption of sins. Selon la richesse c'est de ta grâce. According to the riches of your grace. Que ta miséricorde descende sur la vie de chacun d'entre nous. Let your mercy come down upon each one of us. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Mais bien-aimés, nous allons plaider le sang de Jésus. Beloved in the Lord, we're going to plead the blood of Jesus. Nous venons de voir que c'est par son sang que nous avons la rédemption de péché. We just read that it is through the blood of Jesus Christ that we have the forgiveness of sins. C'est par le sang que nous avons la rédemption. It is through the blood of Jesus that we have forgiveness of sins. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Nous plaidons le sang que tu as versé il y a plus de 2000 ans, Golgotha. Father, we plead the blood that you shedded, you poured out 2000 years ago on Calvary. Pour nettoyer tout notre être. To cleanse our whole being. Notre esprit. Soit nettoyé par le sang de Jésus. Let our spirit be cleansed by the blood of Jesus. Que nos âmes soient nettoyées par le sang de Jésus Christ. Let our souls be cleansed by the blood of Jesus Christ. Que nos esprits soient nettoyés par le sang de Jésus. Let our spirit be cleansed by the blood of Jesus Christ. Le sang de l'agneau. Between the blood of the lamb. Nous justifie, nous sanctifie, nous rassemble dans la sainteté de Christ. May the blood of the lamb justify us, cleanse us, make us as holy as Christ's holiness. Nettoie nos familles biologiques et spirituelles. Cleanse our spiritual and biological family. Lave-nous complètement par ton précieux sang. Cleanse us completely by your precious blood. Et remets tous nos péchés, Seigneur. And forgive all our sins. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Que toutes les sueurs de la sorcellerie soient ôtées de nous. Let all defilements from witchcraft powers be removed from us. Les sueurs des puissants des eaux, Seigneur éternel, soit que le sang de Jésus nous nettoie de tout.
tous essuyer. Let the blood of Jesus cleanse us from all defilements, from marine powers. Le suivre des mariés et des femmes spirituelles. Let the blood of Jesus cleanse us from defilements, from spirit and husbands with wives. Que le Seigneur nous nettoie des sueurs des choses que nous avons eu à manger et à boire. Let the blood of Jesus cleanse us from all the defilements of things that we ate and drink. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de l'agneau immolé. The blood of the slain lamb. Merci Seigneur éternel. Thank you everlasting God. Merci l'homme de Galilée. Thank you the man of Galilee. Merci l'homme de compassion et de douleur. Thank you the man of compassion and sorrow. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons déraciner tout un plan que l'ennemi a pu planter dans notre vie en ces jours. We're going to destroy, we're going to pull by the root all implants the enemy succeeded in living in us. Le diable n'est pas omniprésent comme notre Dieu. The devil is not omnipresent like our God. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait quelque chose de lui en toi et en moi. In order to operate, he needs to put something in us. In us, so that we can be manipulated. Oui, mais il peut être manipulé en distance. And he can manipulate you from a distance. Nous allons déraciner tout un plan, tout ce qu'il a pu réussir à placer à nous travers le rêve, que soit déraciné au nom puissant de Jésus. We're going to uproot all implants that the devil succeeded in living in us last night as we were asleep in the mighty name of Jesus Christ. Même la sémence des maladies, des COVID-19, nous allons les déloger au nom puissant de Jésus. Even the seed of disease of coronavirus, we're going to override it in the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Je viens Christ. Maintenant par la puissance du sang de Jésus. Right now by the power of the blood of Jesus. La Bible déclare. The Bible declares. Que dans le sang de Jésus. That in the blood of Jesus. Il y a la vie de Jésus. There is the life of Jesus. Je bois le sang de Jésus sous ma terre par la foi. So by faith I drink the blood of Jesus Christ. Je bois le sang de Jésus ce matin par la foi. This morning I drink the blood of Jesus Christ by faith. Et je reçois la vie de Jésus. And I declare that I receive Jesus Christ's life. Et je viens évacuer dans mon corps. And I flush out of my body. Tout ce qui me met en relais avec la sorcellerie de ma famille. Anything that connects me with the witchcraft powers of my family. Tout ce qui me met en relais avec le monde des eaux. Anything that connects me with marine realm of my family. Tout ce qui me met en relais avec le monde des esclaves. Anything that connects me with a realm of slaves. Tout ce qui me met en relais avec la magie, l'occultisme et le fétichisme. And anything that puts me in contact with occult magic and fetish practices. Tout ce qui me met en relais avec le diable et tous ses démons. Anything that puts me in communion with the devil and his demons. Tout ce qui me met en relais avec la sorcellerie. Anything that puts me in contact with witchcraft power. Soit déraciné maintenant. We cancel it. Déraciner de mon corps, évacuer de mon corps. We remove and flush out of my body. Mais bien aimé, déraciner de cela. Beloved, get rid of that. Que soit la nourriture que nous avons la nuit là, ce n'est pas la nourriture. Beloved, the food you eat in your dream is not real food. Ce sont des points de contact. They are implants. Ce sont des envoûtements. They are spells. Ce sont des semences du diable. The seeds of the devil. Nous allons déroger toutes ces semences-là. We're going to uproot all these evil seeds. Toutes ces semences qui me remettent en relais avec la sorcellerie de ma famille. Any seed that connects me to the witchcraft power of my family. Que les choses de la sorcellerie soient déraciné de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Let all things of witchcraft be removed from my body, my mind and soul. Les points de contact. All point of contact. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est de la reine du ciel. All the things pertaining to the queen of heaven. Des esprits de sourds. Pertaining to marine spirits. Les sirènes de la séduction, l'impudicité. Mermaid with her sexual morality and seduction. Soit déraciné maintenant. Be uprooted right now. Les choses de sirènes à moi. All the things of soit ôté de ma vie. Be removed from my life. Sorté de mon corps. Be removed from my body. Tout ce que l'ennemi a placé dans ma vie. Whatsoever the enemy planted in my life. Qui me fait de moi esclave. And to make me a slave. J'enlève ces fardeaux dans mon corps. I get rid of that burden from my body. J'enlève le jugement qu'on m'a fait porter. I destroy the yoke they put on me. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Tout ce qui m'identifie à ma famille. Whatsoever that identifies me to the evil of my family. Dans les ténèbres. In dark power. Soit évacué de mon corps. Be
washed out of my body. Sois évacué de mon âme. Be overrided from our soul. Sois évacué de mon esprit. Be canceled from our spirit. Toutes les maladies du sang. Any blood related sickness. Toutes les maladies héréditaires. Any hereditary sickness. Les COVID-19. Whatever the coronavirus. Les sida diaboliques. If all can evil aid. Toutes les maladies qu'on nous a mis en nous. All evil diseases that the devil put in. Que nous ne connaissons pas. That we are not aware of. Que ces maladies soient évacuées de notre corps. May this disease and sickness be flushed out of our body. La Bible déclare. The Bible declares. Que nous ne sommes guéris par ses maîtrisures. By his stripes we are healed. Après de le sang de Jésus, mais bien aimé, contre toute maladie dans ta vie. Beloved in the Lord, plead the blood of Jesus Christ against any diseases in your toute mind. Toute anomalie. Any anomaly. Soit déracinée de notre vie. Be uprooted from our lives. Les maladies mentaux. Mental illnesses. Soit déracinée. Be canceled. La peur exagérée. Excessive fear. Anxiété. Anxiety. Dépression. Depression. Soit déracinée de notre corps. Be removed from our body. Au nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Tous les esprits affectant le, tous les maladies affectant le système respiratoire. Any disease affecting our respiratory organs. Soit déraciné ce matin au nom de Jésus. Be flushed out of us this morning in the name of Jesus Christ. Toute maladie affectant notre système sanguin. Any disease affecting our blood. Que soit le cancer. Cancer. Soit ôté maintenant. Soit enlevé maintenant. Cancel it right now. Par le sang de Jésus Christ. By the blood of Jesus Christ. Le maladie affectant notre système est reproductif. All diseases affecting our reproductory organs. Au nom puissant de Jésus Christ. Within the name of soit Jesus. Soit déraciné. Be removed. Soit délogé. Be kicked out. Toute anomalie dans nos organes génitaux. Any anomalies in our sex organs. Que soit le diabète. Any diabetes. Soit déraciné. Be canceled. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Anomalie. Any anomalies. Même des maladies sexuellement transmissible. STDs in us. Soit déraciné maintenant. Oh, be flushed out of us. Soit délogé maintenant. Be flushed out of us right now. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Marque de que soit des marques d'érection. Lack of erection. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Que soit la frigidité. Frigidity. Soit déraciné de notre corps. Oh, we cancel it from our body. Au nom puissant de Jésus. Toutes les maladies des yeux, des oreilles. Any disease affecting our eyes and ears. Sois ôté maintenant. No, we can't survive right now. La cécité. Any blindness. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Tout ce qui empêche même nos enfants à parler. Anything that keeps our children to have a speech. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Sois délogé maintenant. Be kicked out right now. Sois enlevé maintenant. Be removed right now. Par le sang de Jésus Christ. By the blood of Jesus Christ. Merci Seigneur éternel. Thank you everlasting God. Merci l'homme décalé. Thank you the man. Aujourd'hui nous sommes toujours dans Ephésiens chapitre 1 verset 13. We are still reading the book of Ephesians. In chapter 1, verse 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit. Nous voulons être scellés du Saint-Esprit. Beloved in the Lord, we want to be sealed. We want to be marked with the seal of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit a des niveaux. There are level of hold of power of anointing of Holy Spirit. Il y a les niveaux d'onction. There are level of anointing of the Holy Spirit. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Voilà pourquoi ici là, ce n'est pas rempli ni revêtu. Mais ici scellé par le Saint-Esprit. Here it's not about being filled or covered with the Holy Spirit. It's about being marked by the Holy Spirit. Nous allons demander que nous soyons scellés du Saint-Esprit ce matin. Let's ask that we may be sealed with the Holy Spirit. Une onction spéciale.
We need a special anointing. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Seigneur Jésus-Christ, arrête. Lord Jesus Christ, je viens maintenant. I come right now. Demander. Right now. Que tu me scelles du Saint-Esprit. I come to ask you that you seal me with your Holy Spirit. Seigneur, ma vie du Saint-Esprit. Seal my life with the Holy Spirit. Mets les sceaux, Seigneur éternel, du Saint-Esprit en moi. Put the seal of the Holy Spirit in me. Une puissance et une onction spéciale. Grant me a power, a special anointing. Une onction spéciale, Seigneur éternel, pour cette journée. Grant me a special power for this day. Donne-moi l'onction qui m'a conduit durant toute cette journée. Give me the anointing that will guide me during this day. L'onction de prière. The anointing of prayer. L'onction de délivrance. The anointing of deliverance. L'onction de miracle. The anointing of miracle. L'onction de grâce et de faveur. I'm asking for the anointing of grace and favor. L'onction d'intelligence. The anointing of intelligence. Descende sur ma vie maintenant. Éclaire ma vie maintenant. Enlighten my life right now. L'onction de la révélation. The anointing of revelation. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Merci Seigneur éternel. Thank you, everlasting Lord. Merci l'homme de Galilée. Thank you, the man of Galilee. Mes bien-aimés dans le Seigneur. In the Lord. Nous allons demander à notre Dieu de nous parler. We're going to ask our God to speak to us. Qu'il se révèle à nous maintenant. May He reveal Himself to us. Merci Seigneur éternel. Oh, thank you, Lord Jesus. Merci l'homme de Galilée. Thank you, the man of Galilee. Merci l'homme de compassion et de douleur. Thank you, the man of compassion and sorrow. Pour nous, pour la parole qui va sortir maintenant. Thank you for the word that is about to come out. Pour le miracle que tu vas opérer au travers cette parole. Thank you for the miracle that you're about to operate throughout during this word. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Bien-aimés, nous retournons dans le livre des Actes des Apôtres. Beloved in the Lord, we go to the book of Acts. Des Apôtres, chapitre 16. In the book of Acts, chapter 16. Le verset 22 au verset 26. Verse 22 to 26. Au nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Nous allons lire. We're going to read. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La parole déclare ceci. The Bible says this. La foule se souleva aussi contre eux. Ils traitèrent et y a fait arracher leurs vêtements ordonnés. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. Après, Paul les y chargeait de coups, ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer were commanded to guard them carefully. Et le geôlier ayant reçu cet ordre, le jetant dans la prison intérieure, il leur mit le sceau aux pieds. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La parole du Seigneur. At once, all the prison doors flew open and everyone's chain came loose. Word of the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous sommes entrés toujours dans l'enseignement de Joseph en tant qu'esclave et en tant que prisonnier. We are still talking about Joseph who used to be a slave prisoner. Mais bien-aimé, nous sommes en train de continuer avec les prisons spirituelles. And we are still talking about spiritual prison. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Je vais te dire, peut-être tu n'as pas encore la révélation. I would like to tell you that maybe you don't have the revelation. Si tu as affaire avec les esprits des eaux, sache que tu es dans une prison des eaux. Beloved, if you are dealing with marine powers, know that you are in prison in the marine realm. Si tu as des problèmes avec les esprits
de la sorcellerie de ta famille, tu es dans une prison de la sorcellerie de ta famille. Beloved, in the Lord, if you are dealing with witchcraft powers of your family, know that you are in prison in a witchcraft stronghold. Ça va se manifester par les blocages à tout point de vue. It will manifest, but you will get stuck in all your the area of tout ce que tu fais, tu veux bouger comme ça, tu t'écoles, tu veux bouger comme ça, tu t'écoles, c'est le signe de la sorcellerie dans la vie de personne. Nothing that you would do, you would try to do will succeed. You want to do something, you get stuck. You want to go to the left or right, you get stuck. That's a sign of a person who's in a prison. Mais bien aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, pourquoi il faut savoir, this is why we need tu to tu as un esprit animal dans ta vie. We need to, you need to find out if you are possessed by an animal spirit. C'est que tu es dans une prison de forêt. If you are possessed by an animal spirit, it means that you are in a stronghold that's in a forest. Tu n'as pas besoin de rêver pour connaître ça. You don't need to have a dream in order to find out. L'esprit qui t'habite te permet de savoir quelle prison tu te trouves. The spirit that possesses you allows you to identify in which prison fortress you are. Le problème que nous avons, c'est une prison spirituelle. Issues, problems that we have are spiritual strongholds. Tu es toujours dans la pauvreté, c'est une prison de la pauvreté. If you are still poor, you are in a stronghold of poverty. Il y a les prisons de célibat. They are a fortress of singleness. Et les prisons de stérilité. Of infertility. Et il y a les prisons de blocage. And they are a prison of lack of breakthrough. C'est limitation, des limitations. A prison of limitation. Tu ne peux pas aller loin. It means that you cannot prosper. Tu as tenté de tourner à rond là où tu es. You're going in circle wherever you are. C'est ça la prison spirituelle. These are spiritual stronghold that we're talking about. Et dans le cas d'espèce, and in this case, de Paul et Silas, in the case of Paul and Silas, Paul c'est un combattant. Paul was a combatant, a warrior. Il est différent de Pierre. He was different from Peter. Pierre, ce sont les évangélistes, les apôtres. Peter were evangelists. Mais Paul c'était combattant. But Paul was a combatant. C'est lui qui nous a parlé des armes spirituelles. He's the one who spoke to us about spiritual weapons. Mais bien aimé dans le Seigneur. Lorsque j'attends les gens dont Jésus a tout accompli, il n'y a pas de combat spirituel. When I hear people saying that it is all finished, Jesus Christ did it all, and there's no need for spiritual warfare. Paul n'a pas vu Jésus. Beloved, let me tell you that Paul didn't see Jesus. Paul a été appelé par Jésus après. Jesus Christ called Paul after. Dieu l'a passé à la délivrance. And the Lord delivered him. Il a dit, allez chez le serviteur, ils te diront ce que tu dois faire. And he told Paul, go to the servant of God, he will tell you what to do. Dieu a aveuglé ses yeux pour qu'il ne puisse pas voir. The Lord made him blind for 3 days. Parler des armes spirituelles, c'est dans le Nouveau Testament, c'est pas ancien. He spoke to us about spiritual weapons, and that's in the New Testament. It's not in the Old Testament. Alors ils allaient dans leur lieu de prière. So Paul and Silas were going to their prayer meeting. Alors ils ont vu quelqu'un qui était possédé d'un esprit de python. And they found out a person who was possessed by the spirit of python. Et ils ont chassé l'esprit de cette femme là. And they rebuked the python spirit from that woman. Et cette femme, il avait le maître qui était derrière elle. And the master of this woman were behind her. Alors lorsque c'est le maître ont vu qu'ils ont perdu leur guerre. When the master noticed that they lost, they gained. Ils sont venus accuser faussement Silas et Paul, soi-disant qu'ils sont en train de prêcher des coutumes qui sont contraires aux coutumes romaines. So they went to accuse falsely Paul and Silas, saying that they are preaching a gospel that is contrary to the Roman tradition. Donc ils sont tentés dans la prison par les fausses accusations des sorciers. So they were in prison, they were thrown in jail in prison because of false accusations of witches and warlocks. On les a enlevés les habits. They stripped them off naked. On les a enlevés de tous les habits possibles. On les a laissés nus, on les a jetés en prison. They stripped them off naked and threw them in prison. Dans le Seigneur, beloved in the Lord, des minimums de respect pour ceux qui vous passent à la délivrance. You have at least some kind of respect for those who help you with deliverance. Quand tu es libéré, on nous attaque aussi. Because when you are free, when the Lord delivers you, we are under attack. Les maîtres vont nous attaquer, mais nous sommes plus que
vainqueur avec Jésus. Evil master, your evil master will attack us, but we know that we are more than conqueror with Jesus. Le Paul était battu, on les a battus à mort, on les a mis dans une prison. Paul and Silas were beaten with rods and they were thrown in the prison. Et dans la prison, mes bien-aimés, donc, on les a ordonné de les mettre dans la prison intérieure liés de serpents. And they were commanded to be thrown in an inner prison, and they fastened their feet in the stocks. And there were keepers around them. The jailers were around them, so that they may not escape. They may bind your. They may bind your hands. They may bind your feet. Mais si ta bouche est encore là pour parler, tu peux parler. Beloved, if your mouth can speak, you can do so. Même si on ferme la bouche, le cœur, tu vas parler dans ton cœur. Beloved, even if they silence your mouth, you can still speak from your heart. Et là où ils étaient. And Paul and Silas. Dans la prison, ils ont commencé seulement à louer Dieu, à chanter Dieu. Beloved, in the Lord, Paul and Silas began to worship and praise the Lord. Les mains liées qu'ils étaient de chanter Dieu. With their hands bound, they were praising the Lord. Adorer Dieu. They were worshiping the Lord. Reconnaître qu'il est puissant. And they were acknowledging that he's powerful. C'est toi qui chasses les démons qui délivrent. They were saying, Lord, it is you that cast the demon and they deliver. Nous te bénissons pour nous avoir permis d'être en prison, pas parce que nous avons commis quelque chose, mais parce que nous avons fait du bien à quelqu'un. Beloved, they pray, they say, Lord, we bless you for allowing us to be put in jail, not because we've done something wrong, but because we have delivered somebody. Nous devons adorer Dieu dans toutes circonstances, le bien-aimé. Beloved, we have to worship the Lord in all circumstances. Même devant la situation que l'ennemi t'a fait pour te faire pleurer là. No matter the situation the enemy is using to make you cry. Adore le Seigneur parce qu'il a le dernier, il est le Dieu qui a la dernière solution de ta vie. Worship the Lord because he is the God that has the solution for your life. Alors pendant qu'ils adoraient, as they were worshiping, tout à coup, suddenly, ils ont, tout à coup, la Bible dit qu'il y a un tremblement de terre. So the Bible says suddenly there was such a violent earthquake. Et le fondement de la prison a commencé à s'ébranler. The foundation of the prison was shaken. La puissance de l'adoration, mes bien-aimés dans le Seigneur. Beloved, this is the power of worship. La puissance de la louange de Dieu. This is the power of the praise of God. Tu peux prendre le temps pour louer le Seigneur. You can take time to praise the Lord. Vous avez la délivrance peut obtenir de plusieurs manières. You can be delivered from so many ways. La délivrance peut être par repentance. You can be delivered through repentance. La délivrance peut être par la louange. You can be delivered through praise. La manière authentique de se chasser les démons. The authentic way of being delivered is by casting out demons. Par le pardon que tu demandes à Dieu. You can be delivered through the forgiveness of sin. Il y a des gens qui étaient malades, Seigneur. Au lieu de chasser l'esprit de maladie, je pardonne tes péchés, la personne est guérie. Some people were sick and the Lord just told them, I forgive your sin and they were healed. Le Seigneur peut te demander un sacrifice pour ta délivrance. The Lord can ask for sacrifice for your deliverance. Donc nous devons savoir, ici là, ils ont utilisé la louange et l'adoration. Here they use praise and worship. Et d'un coup, and suddenly, les portes s'ouvrirent. Doors were opened. Par l'adoration. Through the worship. Les portes s'ouvrirent. Doors were opened. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Le bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Et tous les prisonniers devaient sortir échappés. And all prisoners escaped. Mais les pierres sont restées là. But Peter stayed back. Et le geôlier voulait se tuer parce qu'il savait que comme le prisonnier sont évadés, ils vont le tuer. So the jailer, when he woke up, he wanted to kill himself because the prisoner had escaped. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et ces jours-là, Paul et Silas se disent, nous sommes là, on n'est pas sortis, on n'est pas évadés. But Paul shouted, we are here, we are all here, we haven't escaped. Et les miracles qu'ils ont vu ces jours-là. Beloved, and the miracle that took place at that day. Les jeunes ont demandé, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Because of the miracle that they saw that day, jailer asked, what shall we do to be saved? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. And they told them, believe in the Lord
Jesus and you will be saved, you and your house. Mais bien aimé, tu as un sorcier, un agent du diable qui t'a mis en prison injustement. Ce matin, tu vas sortir. Beloved, if you were thrown in jail unjustly because of an agent of the devil this morning, let me guarantee you that you will escape. Commencez à adorer le Seigneur seulement. Begin to worship the Lord. Paul et Silas adoraient le Seigneur. Just like Paul and Silas worship the Lord. Acclame Jésus. Put your hands together for Commencez à l'élever. Seigneur, je t'adore. Lord, I worship. Quelles que soient les prisons qu'on m'a mis. Despite the prison, quelles que soient les prisons des mondes de ténèbres. Quelles que soient les prisons des sorciers. Aujourd'hui, Seigneur, today, Lord, tu es capable de me faire sortir. You are able to deliver. Le Dieu qui a délivré Paul et Silas. The God that delivered Paul and Silas. Tu es capable de provoquer les tremblements de terre. I said that you are able to provoke, to trigger an earthquake. Capable de briser les fondements de cette prison. You are able to destroy the foundation of that prison. Tu es capable de briser les liens qu'on m'a attaché dans le monde de Dieu. You are able to break the bond attaching me to the realm of the dead. Au nom puissant de Jésus Christ. Tu es capable de briser les murailles de cette prison. You are able to make the wall of this prison collapse. Le Dieu de Pierre et Silas, c'était toi, mon Dieu, aujourd'hui. The God of Paul and Silas, you are my God today. Tu vois là où les sorciers m'ont enchaîné. You see where the devil and witches and warlock put me in prison. Au nom puissant de Jésus Christ. Seigneur, délivre-moi. Lord, deliver me. Tire-moi de la prison. Draw me out of prison. Des sorciers de ma famille. Of witches and warlock of my family. Sur les prisons des esprits qui habitent en moi. Draw me out of prison of demons that possess des prisons my des aurores. Draw me out of prison of marine des realm. Des prisons de famille. Stronghold of my family. De la forêt là où on m'a gardé. Deliver me from the forest where they locked me. Tire-moi, Père. Draw me out of it. Tire-moi, l'homme de Galilée. Pull me out of it. Je sais que ta main n'est pas courte. I know that your hand is not short. Pour sauver même ceux qui sont à distance. Your hand is not too short to save those who are afar. Que soit dans la maison de mon Père. You can save me from my father's household. Dans les prisons, on a mis toute la famille. You can save me from all prison. Everybody, the whole family. Que soit dans une bouteille. You can deliver me from a bottle. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Lord, my God. Ce matin, c'est le jour de ma libération. This morning is the day of my deliverance. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Lord, you always back up your word and fulfill it. Ce qui s'est fait ces jours-là. What happened on that day? C'est fait aujourd'hui dans ma vie. It's being done today in my life. Dans la vie de mes bien-aimés. In the life of my beloved. Dans la vie de ma femme. In the life of my wife. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous allons maintenant briser les prisons des sorciers de nos familles. Now we're going to destroy stronghold of witches and warlocks. Avant cela, nous allons détruire toutes leurs accusations. Before that, we're going to annul all their false accusations. Nous allons renverser tout ce qu'ils ont planifié même en séjour contre nous pour nous accuser faussement. We're going to overturn and override whatsoever they plotted today to falsely accuse us. Tous les attaques qu'ils ont prévues pour nous déplier comme ils avaient déplié le serviteur de Dieu. Any attack they have planned to strip us off as they did with Paul and Silas. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Nous venons briser, renverser les complots du diable. We break, we destroy right the plot of the devil. Toutes les mauvaises accusations. All false accusations. Soit détruit. We cancel it. Toutes les mauvaises accusations des sorciers. We override all false accusations of witches and warlocks. Contre nos vies. Against our lives. Contre nos enfants spirituels. Against spiritual children. Contre nos familles. Against our family. Nous les renversons maintenant. We override them. Tout ce qu'ils ont prévu. Whatsoever they plan. Pour nous accuser dans le monde spirituel. To accuse in the darkness realm. Soit renversé maintenant. Return it. Tous les accusations de ces jours. All accusations of this day accusations. Tous les attaques qu'ils ont prévues en ces jours. Any attack they planned for today. Soit renversé. Overturn it. Cela n'arrive pas. Prepare what happened. Cela n'aura pas lieu. Will take place. Tous les sorciers. All
all witches. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Qui s'est comploté contre nous. That are teaming us, teaming up against us. Qu'elles soient dans ma famille. Wherever they are in our family. Qu'elles soient dans mon quartier. In our neighborhood. Qu'elles soient dans mon lieu de travail. In our workplace. Au nom puissant de Jésus. Toi, agent du diable. You agent of the devil. Qui a décidé de me combattre. That decided to fight against me. Qui a décidé de m'attaquer. That decided to attack me. D'attaquer ma famille. That decided to attack my family. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Je viens t'attaquer par l'épée de l'esprit. I come against you with the sword of the spirit. Au nom puissant de Jésus Christ. Tout ce que vous avez prévu contre moi et ma famille. Whatsoever you have plotted against me and my family. Que soit ma famille biologique et spirituelle. My spiritual and biological family. Au nom puissant de Jésus Christ. Je vous retourne maintenant. All backfire against you. Je vous retourne maintenant. Every boomerang against you. Tous les fouets. Any rod, any whip. Que vous avez préparé pour me battre. The rod you prepared to beat me. Je prends la même fouet, le même fouet. I use the same rod. Et je vous bats de la même manière. And I beat you up with the same fouet. Au nom puissant de Jésus, le même fouet. The same whip. Que vous avez battu le serviteur de Dieu. You used to whip the servant of God. Que vous avez prévu de me battre, de battre ma famille. The same whip you plan on using against. Allez, prends le fouet. Oh, I use the spiritual. Je viens fouetter les sorciers de ma famille. And I beat up all the witches and warlocks. Les sorciers autant dans mon ministère. I beat up all the witches and warlocks in our ministry. Dans mon lieu de travail. In my workplace. Reçois le fouet éternel. Oh, catch the blood of the Lord. Sois dépouillé maintenant. Be stripping off right now. Sois dépouillé maintenant. Be stripping off right now. Au nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus. Mais bien aimé dans le Seigneur. Tu vas briser les chaînes. I'm going to break up the chain. Brisez les fondements de ces prisons là. Destroy the foundation of this prison. Au nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus. Les fondements de toutes les prisons. The foundation of all prisons. Seigneur Jésus. Oh Jesus. Que tremblement de terre. Let a earthquake take place. Dans toutes les prisons les sorciers m'ont mis. Let the earthquake take place in all the prison witches and warlocks put me in. Qui est tremblement de terre. Let earthquake take. Qui est tremblement de terre. Earthquake take. Qu'elle soit dans la maison de mon père. In the prison of my father's house. Qu'elle soit dans l'eau. In the marine realm. Dans les cimetières. In the graveyard. Dans les forêts sacrées. In the sacred forest. Dans la maison de quelqu'un. In the in somebody's house. Quel le fondement de cette prison s'ébranle. Let the foundation of this prison be shaken. Que les chaînes tombent de mes mains. Let the chains fall from my hands. Que les chaînes tombent de mes pieds. Let the chains fall from my feet. Que les liens soient rompus. Let the bond be broken. Au nom puissant de Jésus Christ. Par l'épée de l'esprit. By the sword of the spirit. J'ai coupé tous les liens. I break all the chains. Les chaînes soient brisées. All the bond and chains be broken. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus. Que les portes de la prison de mes ennemis s'ouvrent. Let the gate of the prison of my enemies be open. Je brise les portes et les fenêtres. I destroy the gates and the windows. Je brise les cages comme on a mis ma famille. I destroy all the cages they used to imprison me. Au nom puissant de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Que soit la bouteille soit brisée. Any bottle that they used to imprison me be broken. Que soit la prison de la chefferie du monde. Any prison of my family. La prison des ténèbres. A prison of darkness. Soit brisée ce matin. Broken this morning. Au nom de Jésus Christ. Je sors de la prison au nom de Jésus. I come out of the prison this morning. Je sors de la prison au nom de Jésus. I come out of the prison in quelle que soit les prisons des eaux. In a marine prison. Les sorciers de ma famille. Which is a warlock of my family. Les sorciers de mon environnement. The witches and warlock in my family. Je sors de la prison ce matin. I come out of the stronghold this morning. Je sors de la prison ce matin. I come out of the fortress this morning. Au nom puissant de Jésus Christ. Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Je suis libre. I am free. Au nom de Jésus. Je viens renverser les jurés. I overturn all the keepers. Tous les gardiens qu'on a mis pour me garder dans les prisons spirituelles. All the jail that they put in front of spiritual stronghold to watch over. Les esprits de s'assurer que. All the spirit that want to make sure. Que je suis toujours prisonnier. I'm always a prisoner. Sois brisé maintenant. Be broken up. Tous les esprits de s'assurer que soient renversés. Any watching spirit, monitoring spirit. Tous les chiens. All the keepers. Je vous paralyse. Paralyze right je now. Je vous détruis maintenant. Be destroyed right now.
right now. Et j'échappe avec ma famille. And along with my family, we escape. Nous échappons des prisons spirituelles. We escape from spiritual strongholds. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Tous les blocages. All form of blocking. Limitation. Limitation. Humiliation. La honte de la prison. Disgrace from being in jail. Sors de ma vie maintenant. We override them. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tous les blocages. All kind of blockage. Limitation. Limitation. Créé par la prison. Because of my condition in the prison. Sois déraciné maintenant. Be override right now. Sois délogé maintenant. Be destroyed right now. Au nom puissant de Jésus. Mighty name of Jesus. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a la peur. Whoever has fear. A la peur, il a la peur, c'est l'ennemi de la foi. Beloved, fear is the enemy of faith. Lorsque la Bible dit que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. The Bible says that what you fear is what is going to happen to you. Si tu s'appelles les douleurs, oh non, les douleurs là, c'est le cancer qui arrive. Tu finiras par obtenir le cancer. Beloved, if you may feel some pain in your body and immediately stop thinking that it's cancer, know that if you have this kind of mindset of thinking, you will suffer from cancer as well. Mais bien aimé dans le Seigneur. Beloved, in the tu as des phénomènes que tu haïs, tu commences à craindre de tout. Tu commences à soupçonner tout. Non, c'est l'esprit de la peur. Beloved, because of your experience, some strange experience you had, you fear everything. It's not good. It's the fear. It's the spirit of même fear. Ce que les médias donnent sur COVID-19, c'est susciter toujours la peur aux gens. Beloved, even the news that we get about COVID-19 are meant to trigger fear. Nous avons déraciné. La peur, c'est une prison spirituelle. Fear is a spiritual stronghold. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name. Commande l'esprit de peur. We're going to command the spirit of fear. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. The spirit that we have received is a spirit of power. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Je vais commander maintenant. I command right now. À l'esprit de peur. Spirit of fear. De te chasser loin de ma vie. I cast it away from my life. Your fear is over, is I have failed. Peur de croire qu'il y a un malheur qui va m'arriver. The fear of failing, the fear of that of something wrong may have that. La peur des imaginations diaboliques. The fear coming from stemming from evil imagination. Toi esprit de peur. The spirit of fear. De peur des hommes. Fear of men. Au nom puissant de Jésus Christ. Allez, sors de ma vie maintenant. Out of my life right now. Allez, sors de ma vie maintenant. Sors de ma vie maintenant. Out of my life today. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Que l'esprit de force vienne dans ma vie. Let the spirit of power come down on me. L'onction de la liberté descende dans ma vie. Let the anointing of freedom come down in me. Mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit. The Bible says. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Commit your ways to the Lord, trust in Him and He will act. Remettons le programme de la journée entre les mains du Seigneur. Beloved, in the Lord, let's leave today's plan into the hand of God. Père, je te remets tous les programmes spirituels. Father, I commit all the spiritual program we have today. Le travail, tout mon travail entre tes mains. I leave my job into your hands. Tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui. And everything I'm going to do today. Que ta puissance soit sur moi. Let your power be over me. Que les miracles soient sur moi. And miracle be upon me. Au nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Tous les projets, les contacts que j'aurai en ce jour. All plan, all appointment I may have today. Donne-moi le succès à toutes choses. Grant me success in everything I may have. Que je trouve faveur auprès de toi et auprès de ton âme. Let me have favor in your eyes and near men. La faveur. Favor. La faveur. Favor. La faveur. Favor. La faveur. Favor. Au nom puissant de Jésus Christ. Merci l'homme de Galilée. Thank you, the man of Galilee. Pour ta fidélité, pour ton amour. For your faithfulness and your love. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Nous allons demander à Dieu la provision de cette journée. Let's ask the Lord for provision of today. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name que le Seigneur nous restitue quelque chose que nous avons perdu. May the Lord restore unto us something we've lost. Quel ennemi nous a volé. Something that the enemy stole from us. Commence à prier maintenant. Begin to pray right now. Seigneur, je te demande. Lord, I ask you. C'est que l'ennemi m'a volé. That you give me back what the enemy stole from me.
me soit restitué maintenant. Restore unto me. Ma gloire. Restore my glory. Mon honneur. Restore my honor. Ma santé. Restore my health. Ma fécondité. Restore my fertility. Ma progéniture. Restore my children. Restitue-moi maintenant. Restore them to me. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi maintenant, Seigneur, la provision de cette journée. Give me the provision for today. Spirituelle. The spiritual provision. Matériel. Material one. Financière. Financial one. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la joie de l'Éternel soit notre force. Commencez à bénir le Seigneur. Bénis Jésus. Bless Jesus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel. Je prie pour vous maintenant. Éternel des armées. Lord of hosts, je déclare que le prison où mon frère, ma soeur se trouve maintenant. I declare that prison stronghold, my brother, my sister are right now. Que le Dieu qui a délivré Paul et Silas le délivre maintenant. May the Lord deliver them from this stronghold. Que le fondement de cette prison s'ébranle. Let the foundation of this prison fall down. Qui est tremblement de terre maintenant. Let a earthquake take place right now. Qui est tremblement de terre maintenant. May a earthquake take place right now. Que les chaînes s'ouvrent. Let the chains be broken. Que les chaînes soient rompues. Let the chains be broken right now. Que les portes s'ouvrent. Let the gate be open. Je fais sortir mon frère, ma soeur. And I bring my brother, my sister out of de cette prison spirituelle. I bring them out of this spiritual de cette stronghold. Prison des sorciers. I bring them out of stronghold of witches and warlocks. De cette prison des eaux. I bring them out of marine strongholds. Oh, prison de Jésus. In the mighty name of Jesus. Sors de cette prison des blocages. Get out of these strongholds. Des limitations. Stronghold of limitation. Au nom puissant de Jésus Christ. Sors de cette prison de célibat. Come out of this stronghold of single life. Sors de cette prison de fausses couches et de stérilité. Come out of this stronghold of miscarriages and unfruitfulness. Sors de la prison maintenant d'humiliation de honte. Come out of the stronghold of shame, disgrace and humiliation. Au nom puissant de Jésus Christ. Je déclare ta liberté. Maintenant. I declare that you are free right now. Au nom puissant de Jésus, que le champ de l'Éternel te saisisse. Let the anointing of the Lord touch you. Que l'Éternel te donne la provision de cette journée. Let the Lord give the provision for this day. Tout ce qu'il avait prévu dans le temps pour te donner en ces jours, sois libéré maintenant au nom de Jésus Christ. Let the Lord release whatsoever He has planned on giving you today, to give you today. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Je sais la prière dans le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Merci Seigneur. Thank you, everlasting Lord. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre prière. We are at the end of our prayer. Nous allons nous retrouver ce soir pour notre journée de combat spirituel d'enseignement et de délivrance à 19h. We're going to meet again tonight for our day of spiritual warfare teaching and deliverance. Entrez dans le YouTube. Souscrivez-vous et dans YouTube et dans le Facebook pour l'uniquette gloire des noms de Jésus. Beloved, please subscribe, follow us on Facebook and subscribe on YouTube for the glory of the Lord. Et Dieu va se glorifier puissamment. And God will be glorified mighty. Ceux qui n'ont pas le Facebook, dis-les maintenant qu'ils peuvent suivre à YouTube directement là, en live. Those who don't have Facebook account can watch us on YouTube live. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Excellente journée. Have an excellent day. Bon après-midi partout où vous vivez. And have a good afternoon depending on your time zone. S'il y a un problème, s'il y a une situation, ne manquez pas de nous écrire. Nous avons toujours une chambre haute pour prier pour tous les problèmes que nous avons. Beloved, if you have a problem, don't hesitate to contact us because we have a prayer team in order to pray for all kinds of situations. Et si ça mérite la délivrance, on va te passer à la délivrance. And if your problem requires deliverance, we will help you. Même les problèmes de famille, nous sommes une famille. Même si ce n'est pas toi, c'est ton père de ta mère qui a un problème, tu peux ordonner et on va intercéder pour la personne. Even if there's a family problem, your mother, your father, your sister, brothers have a problem, you can call us and we're going to intercede for you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.